Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un unboxing du 3904 et le 3906 de 1997. On va faire le premier unboxing donc du 3906 et après, on prendra le 3904. Donc, le temps que je mette ça sur le côté et on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, la petite boîte donc, est sortie la même année que la grande boîte, la voiture de police. Donc on peut voir donc la devanture. Donc, moi, je vois pas très bien. Je vais essayer de passer sur le côté. Voilà, donc on voit une policière, un policier. Ils tiennent le carnet, après les accessoires, on pourra les voir derrière en vue éclatée. Ah, je vais m'empresser de vous montrer les images sur les côtés. Donc on retrouve donc les deux personnages, la barrière. Hop, on va passer à la vue éclatée. Donc dans la vue éclatée, on a la barrière, le truc pour dire stop, là, une sorte de pancarte. Deux cônes, un carnet, enfin une feuille, on peut écrire des choses dessus, certainement des contraventions, etc. Écrit stop, donc certainement protéger la zone, et les deux personnages avec les deux pistolets. On va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va regarder donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc il y a deux sachets, donc ici donc la barrière avec les cônes et un accessoire pour la policière. Là, pour mettre ça sur le côté. Dans le sachet, donc celui-ci est ouvert, l'autre non. Donc, je vois tout à l'heure avec le couteau. On a les personnages avec le panneau stop. On retrouve la notice pour pouvoir donc, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Très intéressant pour la compléter. Mais on sait qu'elle est complète. Hop. Et on retrouve aussi ainsi le petit catalogue de 1997. Donc on retrouve aussi les policiers allemands qu'on fera certainement sur la chaîne. Voilà. Il nous reste encore aussi pas mal de choses à avoir. C'est la. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir. C'est le fourgon. Il nous manque le fourgon. Je crois qu'il est arrivé bien après. Donc on ne le verra pas sur le catalogue. Le temps de vous monter ça et de vous montrer. Donc voilà, j'ai fait le montage, donc on peut retrouver donc la barrière. On a eu donc différents pieds, on avait eu des pieds bleus à l'époque. Là il y a des pieds noirs, ça dépend en fait de quelle boîte vous prenez. Donc voilà la barrière. À savoir que la barrière, on peut donc en mettre une autre, hop, ainsi de suite. On peut pas faire de carré, il me semble, non, on peut juste faire en longueur. Donc on retrouve aussi les cônes tout neufs. Voilà, les cônes normalement on va les retrouver aussi, j'ai vérifié, je crois qu'on les retrouve, non on les a pas dans la voiture, non, c'est bizarre. On retrouve le panneau stop, donc lui on peut l'avoir de différentes façons, stop, point d'interrogation, il me semble qu'il y a aussi d'autres trucs où on peut l'avoir. Au niveau du personnage, hop, la barbe, très important la barbe, c'est ce qui donne le caractère au niveau du personnage. On retrouve aussi les pistolets, c'est assez difficile à retrouver. Surtout les holsters, donc ce qui tient le pistolet. Surtout pas essayer de l'enlever parce que ça casse. Voilà. Je préfère prévenir. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le petit panneau police stop. Je vais le mettre pour qu'on voit bien. Stop police, ou ça dépend de quel sens vous le lisez. Ensuite, la policière, on retrouve donc quelque chose pour attacher les cheveux à l'arrière. Et le papier pour le contravention. D'ailleurs, bon, il y a un dessin dessus, mais je... Ah oui, c'est pas un truc de contravention, c'est si il y a un accident, c'est un constat. Voilà, un constat d'accident. Et bien, c'est tout ce qu'il y a, on va pouvoir passer directement à l'autre boîte. Donc on passe à la boîte 3904, la même année que tout à l'heure, 1997. Alors à savoir qu'il y a eu deux différentes voitures, donc il y en a une avec les gyrophares bleus et rouges et une avec les gyrophares double bleu. Donc je crois que celle qui est rouge et bleu est plus, elle est pas plus ancienne, elle est nouvelle, et enfin l'une presque d'un an d'écart, et l'autre est plus ancienne, c'est pour ça qu'on la présente. Mais on fera dans les différentes versions, on vous montrera donc les différences avec les boîtes, parce qu'on a les boîtes, on va pouvoir vous montrer ça. Donc je vous montre le devant de la boîte avec les policiers qui sont pas de la même couleur parce que eux font la circulation, les autres donc sont dans la voiture, descendent, etc. C'est un peu basé sur, pas la police française, sur la sérigraphie
On est sur la police française. Mais par contre, au niveau du personnage, on est inspiré un peu plus au niveau des États-Unis, au niveau des uniformes. On va passer directement à la vue éclatée. Hop. Donc on voit directement qu'on peut changer aussi de chapeau. Voilà. Aussi, donc on a les accessoires que je vous détaillerai aussi tout à l'heure. On a hop, les différentes images qu'on vous montre à chaque fois pour mettre les personnages comme le bon vous semble. Et une image derrière pour dire qu'on peut bien activer les gyrophares. On va pouvoir voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va retrouver évidemment la voiture. La voiture, donc les personnages sont déjà directement à l'intérieur. Je vais vous le montrer après. Je vous montre juste les accessoires. Après, je vais faire comme tout à l'heure, les mettre en disposition. Demandez à Valérie et compagnie aussi également s'il faut que je mette les chapeaux blancs ou les chapeaux noirs. Ça va dépendre également de la situation que je vais essayer de faire. Hop. Essayer de sortir le Tokiwoki. Toki Walkie, il n'y en a qu'un. C'est bizarre parce que eux n'en ont pas. Mais eux en ont un. Okay. Donc on a une lampe. Ok. Bon, je vous montre ça et je vous explique après ce qu'il y a à l'intérieur. Nous ne sommes pas en version zoomée, nous sommes en version périphérique pour voir bien tout. Donc là on a les équipements que je vais vous citer. Donc c'est à peu près les mêmes que tout à l'heure avec le panneau, le haut-parleur. Et juste ici, hop, l'extincteur, le police stop ou stop police, le même que tout à l'heure, le chapeau blanc qu'on peut mettre à la place du noir pour faire la circulation, on met le blanc bien entendu, là elle tient dans sa main donc la lampe torche, ici on a les menottes, hop. Le talkie-walkie qu'on peut mettre directement à l'intérieur de la voiture. Pour tout, donc le chapeau pour le policier et pour le métrage, certainement pour mettre le rubalise. On va passer directement à la voiture. Je vais mettre juste la boîte ici pour ne pas être dérangé. Donc il n'y a pas de pile à l'intérieur, mais vous savez comment que ça fonctionne. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. La voiture, donc il y a l'antenne. À savoir qu'on a acheté, un lot de 125 antennes. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. On va pouvoir voir qu'on peut mettre le talkie-walkie juste ici. Le petit emplacement noir entre les deux sièges. Voilà, je vous montre le coffre. C'est exactement pareil que le taxi de 2001 qu'on a déjà fait sur la chaîne. C'est exactement le même châssis. Évidemment, c'est le premier châssis qu'ils ont fait puisque c'est 1997. Je vais pouvoir remettre le toit. Hop. Petit teasing aussi. Je vous signale qu'on va pouvoir faire aussi le Playmobil System 3988, donc ça va être le commissariat, donc il servait aussi de commissariat donc pour les Allemands, donc les véhicules qui sont verts. En fait, on peut avoir donc cette boîte-là et cette boîte-ci de couleur vert pour la police allemande, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos. Et bien voilà les amis, je pars comme je suis arrivé tout à l'heure, donc je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Sur ce, a plus !